Mbote, kombo na ngai, tata, bienvenue. On va continuer notre leçon. Donc, on va répéter un peu quelques mots qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Comment on dit oui, comment on dit non, comment on dit quoi, comment on dit qui, et puis on va voir comment on va dire ngai, yo, ye, hein, donc tout ça. Voilà. Donc, pour dire oui, on dit Dites avec moi, Voilà, ça c'est oui. Maintenant, pour dire non, on dit T. Donc, ça c'est pour dire non, ou bien non pas, ou bien n'est pas. Donc, pour toute la négation, c'est T. Voilà. On a vu aussi quelque chose quand on a vu par exemple sangonini. Nini. Nini, ça veut dire quoi ou bien quel. Quand on te pose la question nini, ça veut dire quoi. Nini, quoi. Sangonini, quelle nouvelle. C'est pour les objets. Nini, ça veut dire quel ou bien quoi. Nini. Maintenant, si c'est une personne, si tu veux demander qui, tu ne vas pas dire Nini, mais tu vas dire Nani. Nani. Donc, Nani, c'est pour dire qui ou quel, dans le sens de quelle personne. Hein? Qui a mangé. Donc, ça, on verra. Donc, qui, c'est Nani. Qui ou bien quel. Ok, ça va. Et on a vu aussi, tantôt, on disait Ngai. Kombo Nangai, bienvenue. Nom de moi, bienvenue. Ngai, c'est moi. Ngai, c'est moi. Yo. Yo, c'est toi. Yo. Ngai, yo. Et puis, lui, c'est ye. Ye. En lingala, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Que ce soit un garçon ou une fille, on va dire toujours Ye. Kombo na Ye. Son nom. Kombo na Ye. Kombo na Ye. Lui, elle, ou bien le, la. Hein? Je l'ai vu. Nous, donc, nous le sommes. Donc, le, la, lui, tout ça, c'est Ye. Ye. Pour le personne. Bisso. Bisso, ça veut dire moi et les gens qui sont avec moi. Ça veut dire nous. Bisso. Par exemple, si je dis Tata na Bisso, c'est notre papa. Parce que Tata, c'est papa ou bien monsieur. Tata na Bisso, c'est notre papa. Maman na Bisso, c'est notre maman. Bisso, c'est nous. Bon, ou bien notre. Je n'ai pas noté notre, mais ça peut dire aussi notre. C'est parce que comme vous verrez en lingala, on dit toujours maman de nous. Hein? On ne dit pas notre maman, on dit maman de nous. Donc, maman na biso. Tata na biso. Kombo nangai. Donc, biso, bino. Bino, c'est vous. Bino. Et quand c'est eux ou bien elle, comme je dis, en lingala, il n'y a pas de masculin et féminin. Donc, on dit bango. Bango. Tata na bango, leur papa. Maman na bango, leur maman. Donc, bango. Bango, c'est eux ou elle. Voilà. Maintenant, si c'est que ça soit lui, elle, le, la, les, eux, elle. Mais si c'est, ce n'est pas des hommes, des humains, mais c'est des objets, au lieu de dire yé ou bien bango, on va dire yango. Yango. Kombo na yango, le nom de cet objet. Kombo na yango. Hein? Voilà, yango, ça c'est pour les objets. Voilà, donc ça on a fait un peu récapitulatif de quelques mots importants qui reviendraient souvent. Donc, te, nini, nani, ngai, yo, ye, biso, bino, bango,
Yango. Hein? Ok. Dans le prochain travail, c'est le devoir. Il faudrait prononcer ça à haute voix et arriver à bien le prononcer. D'accord? Ok. Allez. Botikala, malam. Hein? Tokomina, vidéo, ezali, koya. Botikala, malam.